Alors, on va essayer d'installer des tas de logiciels sur notre nouvelle distribution Linux. Donc, le programme le plus important, je pense, d'un ordinateur général, c'est le navigateur de fichiers qu'on trouve ici. Donc, c'est Dolphin, voilà. Discover, c'est pour installer des nouveaux. Alors, Dolphin, c'est le navigateur de fichiers. Il s'est mis sur l'autre écran, voilà. Vous pouvez afficher, je vous propose de le mettre sous forme ici d'icône ou bien de liste. Vous choisissez, hein. Moi, je pense que c'est mieux sous forme de liste. On peut zoomer ici pour le mettre le plus petit possible. Ça va très bien. On peut aussi afficher la barre des menus. Comme ça, je peux faire édition, copier-coller quand je sélectionne quelque chose. Voilà, et puis on a notre navigateur Dolphin qui est déjà bien configuré comme ça. Bon, les autres logiciels, je les ai là. Discover, Logitech, où je tape Discover ici. Ça revient au même. Et puis, il me met toute la liste de ce que je peux installer. Donc, la liste est très grande. Vous avez toutes les applications. Vous avez dans Internet, graphisme, etc. Là, j'ai déjà fait quelques installations. Donc, je ne sais pas, par exemple, dans Internet, il y a des navigateurs web. Firefox est déjà installé. Moi, je ne sais pas si je veux utiliser Tor. Voilà, ben, je l'installe. WebGnome installé. Ou bien, ben, là, je l'ai déjà installé. Vous pouvez installer aussi, si vous voulez faire de la bureautique LibreOffice, évidemment, mais je pense qu'il est déjà, ou d'autres encore. Hein. D'accord. GnuCache pour faire de la comptabilité, ça c'est très intéressant. On peut cliquer là-dessus, on voit comment ça marche. Il nous demande l'authentification. Voilà. Et puis l'installation est en cours. Il me met 1%, etc., etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir encore installer? Dans les 3D, par exemple, pourquoi pas? Si je veux faire de la construction 3D avec une imprimante 3D, par exemple, le logiciel s'appelle OpenSCAD. Je pense qu'il est dans la liste. Ah oui, évidemment, il va faire loin à la rechercher parce que je suis en train d'installer quelque chose. Mais je pense que je peux le chercher simplement en allant dans lequel? Graphisme. Ah bah il l'a trouvé. Ok, comme je l'ai déjà installé tout à l'heure, j'ai plus besoin de le faire. Bref, je vous laisse vous découvrir tous les logiciels que vous avez dans cette immense Logitech qui couvre toutes les distributions, tout ce que vous avez dans le monde entier. Hein. Surtout, ce que je vous recommande d'essayer d'installer, c'est tout ce que vous avez à l'école et que vous pourriez installer pour être à la maison un petit peu comme vous voulez être à l'école. Voilà, je vais vous laisser vous débrouiller maintenant. Merci de m'avoir écouté.